Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Envivius en compagnie de Nirmis. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter un moyen plutôt commode de ce stuff via les World Boss. Donc, on va vous montrer en live une démonstration de puissance. Salut à tous! Alors, on va aller dans la section réserve, Nirmis. Follow-moi comme un acolyte pour chercher la weekly. Tout simplement, le maître Steed que tu es. Oui. et vous allez prendre cette quête là, du coup c'est la weekly priority targets. Et ce qui va être pratique sur cette mission, c'est qu'on va pouvoir la répéter 3 fois. Donc c'est à dire que sur un personnage vous allez pouvoir faire 12 world boss en fait. Et ça va être plutôt pratique parce que ça va donner 60 aquatic ressources matrix. Et en plus à chaque fois que vous allez tuer le world boss, ça va vous en donner 3 il me semble. Donc ça fait ouais. En gros 96 en tout. Donc c'est plutôt lourd. Les world boss qui sont plutôt rapides, bah du coup on va s'orienter vers ceux de Narshada. Et on va jouer avec le fait qu'on puisse switch d'instance pour tout simplement faire assez rapidement le world boss. Donc on va trouver des mates en mettant alors slash LFM. Il n'y a pas besoin de tank, la dernière fois je l'ai fait en main rouge, j'ai tout tanké, c'est passé nickel. Il n'y a même pas besoin de tank en fait, il n'y a même pas besoin de heal. Il n'y a même pas besoin de tank ou de heal, en fait, il suffit juste de trouver des DPS. Et plus t'en as, et plus le boss il tombe vite, et plus le farm il est rapide, quoi. Alors normalement, je vais recevoir pas mal de MP, tout simplement. Invite. Eh, vas-y, y a personne qui vient dans le groupe, là. On est que 5. Supposément, ça suffirait à tomber le boss. Ouais, vite fait. Vite fait, mais genre, ça va être trop long, quoi. Après, plus haut on va aller dans l'extension, moins il y a de mecs qui vont vouloir faire leur road boss parce que plus il y aura de mecs qui seront au gear. Ouais, c'est vrai. C'est comme les stations Martel en début d'extension la dernière fois. Hein. Genre, les premiers mois ça popait bien les stations Martel en mode maître, mais après, il n'y avait plus personne. Donc, je vais vous montrer ici comment on accède au world boss. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai pris le voyage rapide à cet endroit-là, donc Network Security District. Et le world boss va se trouver dans cette zone là de la map. Donc on va tout simplement y aller. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Et donc là on va arriver pas loin du world boss. On arrive sur cet endroit là. Et voilà, on a trouvé le world boss, donc c'est un peu galère. Moi, le soir où j'ai tourné la vidéo, j'ai galéré à trouver l'endroit et c'est un autre gars qui a summon à ma place. Mais voilà, bon, à partir du moment où on a le TP, c'est assez facile, mais si on n'a pas le TP au Network Security District, c'est un peu galère. Ok, bon, bah, le mec, il a TP. Et c'est parti pour le world boss, le combat le plus féroce. Le combat qui s'annonce le plus terrible de la galaxie. On va mettre le Stormwatch. Et attention, les FPS vont être très faibles durant ce fight. Ouais, putain. Estoy de acuerdo. Tu vois, je tank. Comme ça, je peux reflect. Tu tankes, là? Oui. Bah, regarde, il y a la groupe du boss. Ah ouais, effectivement. Mon DPS, il est trop féroce, mec. On peut kick jusqu'en dessous des 50% en fait. On peut interrupt le boss tant qu'il est à 50% en plus. Voilà, et là on en a fait un. Et il en manque du coup, on drop. J'ai méga free. Moi ça va les framerates, ça allait. Je peux aller check l'instance, on est sur la combien? Ouais. La 4, on va sur la 4 ou la là, 2. Le but, une fois que vous avez fait un seul world boss, bah, c'est d'aller dans une autre instance. Je vais dans la 2 moi par exemple. Pour voir si le world boss est dedans, et sinon bah il faut attendre qu'il repop. Tant que les boss, je fais un peu tout dans le milieu. À part TP, parce que je suis... Parce que tu es un clodo. Ah, oui. Alors il y a effectivement le boss dans la 2, donc bah c'est parfait. Il y a un mec qui a TP. On va refaire un RC ouais, au cas où il est... le mec. Ah il est prêt, ok on y go. Il y a un full rakata. Bah pourquoi il fait des world boss hein? Bah il semble peut-être une guerre sans. Ah, le mec m'a repris l'aggro, oh non.
Non, il est en tank, c'est pour ça que... Bah, ça va plutôt vite, hein. Ouais, ça va 4. Plutôt vite. Bah, y'a un gars qui est allé à l'instance 4. Y'a un gars qui est allé, un peu, qui chez moi. On a un groupe efficace. Ouais, on a un groupe qui est plutôt efficace. Bon, bah, on y go, hein. Ouais, les framerates, moi, c'est vraiment pas ça. Tu sais, je suis en médium là. Le PC, il est pas en train de souffrir, mais enfin, ouais, c'est pas ouf quoi. 3 sur 4. En vrai, on s'est dit qu'il y allait avoir d'autres groupes, mais en fait, j'ai l'impression que non. Quoi. Non, parce qu'en fait, les mecs, le MR Mephisto, c'est lui qui montait le groupe et il m'a dit, m'a demandé est-ce que s'il pouvait rejoindre et du coup. Merde. Ouais, on et est. Et voilà, on a fini la weekly. Et ensuite. Bah, y a plus qu'à recommencer deux fois, quoi. C'est ça. Bon, voilà, les amis, c'était une petite vidéo comment farm facilement. C'était en vivu, Seigneur Miss. À la prochaine. Bah, tiens, ils viennent de rechercher la weekly.